Amateur de PVP, bonjour, c'est Fou de Boom. Donc, je suis un roublard niveau 26, grade 10. Donc, je suis TBL. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer un roublard TBL. Donc, Marinette va nous montrer tout ça. C'est quelqu'un qui m'a copié, comme d'habitude, pareil pour alcoolique là. Donc, nous allons lancer un défi. Donc, déjà, pour. Il faut avoir plusieurs modes. Donc là, je vais mettre mon mode résistance agi. Comme c'est un roublard qui est orienté vers l'agilité, mettez toujours des résistances à agi. D'accord? Voilà, il a monté un petit peu de niveau. C'est bizarre. Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer premier tour. Il est vraiment facile à battre. Et je vais rien dire. Mais voilà. Hop, on commence, on met une bombe. Là, on change complètement de technique, on se rapproche, on se met même juste à côté et on fait une roublardise. Hop. Donc là, il va faire une botte normalement au milieu. Exactement. Mais il a mal botté. Donc c'est plutôt positif pour moi. Voilà, il met une bombe ici. Il va botter sur la. Non, il l'a déjà fait, pardon. Il va peut-être aimanter. Une roublardise aussi, dis donc. Voilà ce que je vais faire. Hop. On va faire aimantation sur cette bombe. Et on la tire. Là, on va faire péter. On s'en fout. Et on recule. Là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'était pour pouvoir lui virer un petit PM. Là, il est beaucoup trop loin pour pouvoir me mettre une bombe. Il a mal botté. Nickel. Donc, comme sa bombe est plutôt hors portée. Il en a remis une autre. Je ne comprends pas du tout ce qu'il fait. On essaye de le taper pour pouvoir lui enlever quand même un petit peu de dégâts. Hop, il a botté. Il va faire péter cette bombe normalement. La bombe feu. Exactement. Mais il a déjà botté, donc il ne pourra pas le refaire. Il se piège tout seul. Il ne peut même pas utiliser Rouble à botte, c'est 4 PA. Je ne sais même pas ce qu'il fait, donc on va le prendre à son propre piège. Hop. Et on va utiliser Rouble à botte. Voilà. Là, il va douiller. Hop. Voilà, c'est très bien ça. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Évidemment, ne pas faire de fail avec le Rouble à botte, parce que moi, ça m'arrive souvent. Et c'est chiant. Ah, mais c'est bon, elles enlèvent rien du tout. Et ouh là là. Il aurait pas dû le mettre là. En fait, si, ça va rien me faire. Vous allez voir. Il s'est un petit peu amélioré, mais vraiment pas de beaucoup, hein. Il est toujours aussi nul quand même. Regardez. L'avant. Et oh. Et j'ai 68 de résistance là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, écoutez, là je n'ai rien compris. Donc dans ces cas-là, il faut impérativement se soigner. Comme vous pouvez le voir, je vais me soigner. C'est pas des gros dégâts, heureusement d'ailleurs. Non mais c'était juste parce que il me l'avait dit, c'était bien entraîné. Il s'est porté volontaire pour pouvoir faire ce test, pouvoir montrer aussi qu'il était plutôt fort. Il a mal aimanté, mais je ne comprends pas ce qu'il fait là. Franchement, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va aimanter sur cette bombe. Aimanter sur celle-là. Toujours s'éloigner des bombes, bien sûr. Hop. On a fait péter. Pour que ça puisse virer des bombes. Voilà. Hop, c'est bon. Il ne faut pas avoir peur parce que je vais aller la détruire. Vous allez voir. Hop.
On bute la grosse bombe comme il ne lui reste plus que 21. Évidemment, un échec critique qui n'était pas prévu du tout. Complètement abusé. Donc là, ça foire un petit peu mes plans parce que j'avais prévu de faire plein de trucs derrière. Donc là, enfin, c'est le jeu. C'est le jeu, donc je vais pas rager. J'allais le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait là? Là, je n'ai rien compris du tout. On bute alors la bombe. Une petite bombe ici. Et on le tape, même si ça va lui enlever rien du tout. Voilà. Il fait péter. Il fait péter l'autre. Il ne peut pas faire avancer cette bombe-là parce qu'il a aimanté trop loin. Mince, cette vidéo va être plus longue que prévu. Mince. Magnifique. Je n'ai pas enlevé grand-chose, bizarrement. Je m'en doutais. Oui, donc. Hop! Mal joué de ma part. Parce que j'ai oublié de mettre, je crois, un item. Bien sûr, je ne vous dirai pas ce que c'est. Ouh. Ça, c'est bien ça. Pas qu'il aille se cacher. Si jamais il va se cacher, ça va complètement. Voilà. Alors. Et wow. Ça n'a rien à faire, j'espère. Voilà, c'est bon. Et on va mettre une bombe. Voilà. Donc, pas de fail. Hein. Aspirateur. Moins 47, ça n'a rien, mais c'est déjà ça. Et on va la tirer ici. Voilà. Donc là, ça va faire plus de 7 minutes que je suis en train d'enregistrer pour pouvoir faire un tuto. À mettre du temps, et oui. Là, je vais botter la botte. Et. Attendez. Vraiment qu'il est ici. Et oui, très bien. J'en étais persuadé qu'il était là. Hop! Tentative de louper un PA raté. Ça ne lui retire rien du tout avec son bouclier plus ses résistances. Il ne peut pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien là. Il joue vraiment mal. Ou alors attendez, il me prépare peut-être un coup là. Mais bon, je vois pas. Parce que là, si jamais je fais. Ouais, voilà, il bouge. Que fait-il? Hey, fail! Il a complètement loupé avec son rouble à botte. Donc il voulait me pousser, me mettre. C'est bon, il me met que dans ses. Que dans mes bombes. Ça va donc rien me tirer du tout. Voilà. Par contre, je trouve que là, l'esquive PM est un petit peu abusée à mon goût. Ouais, donc là, c'est vraiment pas. Donc, on essaie de l'éloigner de ses bombes rapidement. Hop, et on s'échappe. Donc il a quand même 42 sagesse, moi j'en ai 70, mais il arrive quand même à me virer des PM, ça me saoule. Mais vous n'imaginez même pas comment ça m'énerve. C'est complètement abusé. Il essaie de faire péter mes bombes, d'accord.
Je comprends tout, quoi. Franchement. Il fait n'importe quoi. Je peux pas faire péter mes bombes. Je peux pas. Ça arrivera pas. Donc, il a fui. Et donc, rassembler toutes les bombes comme ça. Il ne pourra plus s'en servir. Et je vais arriver. T'inquiète pas, Coco, j'arrive. J'ai maintenant mon roulabot. Je vais tout faire péter, vous allez voir. Oh, il a monté Libération. Très bien joué de sa part. Ce n'est pas assez. Vous allez voir, hein. Il va avoir mal. Eh mais en fait, sans le roublabot, ce sera un peu nul et. Donc là, il a pris très cher. Ouh là. Hop, on va plutôt s'écarter parce que sinon. Là, il devrait faire péter ses bombes et je pense que c'est ce que je vais faire prochain tour. Que fait-il? Je vais donc pousser cette bombe sur lui. Ou alors attendez. Deux bombes comme ça. Et là, c'est parti. Go! 542 dommages d'explosion. Et voilà. Plus aucune bombe sur le terrain. 128 points de vie, il lui reste. Ça risque d'être très compliqué pour lui. Vous voyez, il commence déjà à rager. Allez. Donc, moi qui croyais qu'il s'est amélioré, il n'est pas si fort que ça. Après, à vous de juger, hein. De toute façon, vous allez me dire si il était bien ce tuto. Si jamais il était pas bien, bah dites-le moi. Je prendrai toutes les remarques. Enfin, que je prendrai toutes les critiques, mais des critiques intelligentes. D'accord? Bref. Bref. Non. Donc on va terminer ce combat très facilement, hein. Même si là ça commence à m'énerver, que je retire rien du tout à cause d'un oubli d'un item. Pas dû mettre le bouclier d'as en fait, on a dû mettre le même, le dermato. 12 de résistance, c'est pas mal. Que fait-il, mais... Il fait n'importe quoi, vous voyez? Il fait n'importe quoi. Il s'éloigne de ses bombes. Alors lui, c'est un bon, lui. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il me pousse, bah oui! Hop, 142 dommages, moins 22. Donc. On lui fait une petite feinte, il croit que je vais là ou là. Il va donc arriver pour pouvoir poser une bombe et essayer de mettre dans son mur. Malheureusement, il va avoir une mauvaise surprise. Très bien. Comme ça, tu rapproches tes bombes. Et il me rapproche aussi. Voilà. Donc là, je pense que c'est fini. Est, ça va être fini normalement, hein, et oh, oh. Là, va y avoir un petit fake, tu vois. Et bah non, c'était une petite blague, ça ne sera pas fini encore. Est-ce qu'il n'y a pas cette grosse bombe là qui est dans sa ligne? Comme c'est les siennes, ça lui fait rien. Pas dû faire ça tout de suite, mais bon, on s'en fout. Allez, on continue.
Ça fait juste 15 minutes qu'il y a le que ça tourne en fait. Tout ça pour un petit tuto. J'espère que vous avez compris au moins, parce que par contre là, si jamais vous avez pas compris, franchement, j'aurais vraiment la haine. Voilà. Ah ouais, il était là. Oups. Un petit fail, ce n'est rien. Et encore mieux que ce que j'avais prédit, je voulais mettre ma bombe dans ce mur. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel Roublard PVP TBL. J'espère que vous aurez apprécié. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine!